life! For 31 years. This is the first time. She's walking. 31 years. Amen. Believing God for a baby. Two babies. Not just one. That's what it. He was blind. Alléluia, Dieu vous bénisse, bienvenue sur Merveille sans nom, mon heure a sonné, votre heure a sonné, et notre heure a sonné, dans le nom de Jésus-Christ. Psaume 102, 13, tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Job 9, 10, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Dans le nom de Jésus, et par l'autorité de la parole de Dieu, je déclare que votre vie commence à expérimenter des merveilles sans nombre. Que Dieu se manifeste dans votre vie puissamment. Merveille sans nombre est une plateforme de prière, un hôtel de merveilles où les gens sont entraînés à l'acte de la prière et deviennent amoureux, passionnés de la parole de Dieu. Ils deviennent amoureux de la parole de Dieu et quand vous devenez amoureux de la parole de Dieu et de Dieu lui-même, eh bien, il y a cette intimité, d'accord, que cette plateforme vous donne. Et c'est le but, en fait, d'accord, de cette plateforme. Alors, tous ces miracles, tous ces témoignages que nous avons, en fait, ne sont que des choses additionnelles. Mais le point le plus important ici, c'est le fait que nous devenions amoureux et intimes de la parole de Dieu. Et comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est l'objectif de cette plateforme que nous devenions communs, d'accord, avec Dieu. Et la Bible dit, d'accord, concernant la parole de Dieu, Psaume 138, 2, eh bien, à cause de ta bonté, de ta fidélité, je me prosterne dans ton saint temple, car ta renommée s'est accrue et l'accomplissement de tes promesses. Job 23, 12, qui dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et Hébreux 1, 3, qui dit, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Donc, il y a la puissance dans la parole de Dieu et vous devez croire en la parole de Dieu. Rappelez-vous, le thème de ce mois, c'est Dieu est capable. Dieu est capable de faire toutes choses. Dieu est capable de faire toutes choses et je vous dis au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et par la puissance du Saint-Esprit que l'habileté de Dieu sera reflétée dans votre vie car il est capable et il sera capable de faire toutes choses dans votre vie. Alors, si vous êtes connecté maintenant, invitez vos amis et dites-leur que Merveille sans nombre a commencé. Et également, cliquez, d'accord, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum, autant que vous pouvez. Et si vous nous suivez, enfin, vous pouvez nous suivre, d'accord, sur la télé. Vous pouvez nous suivre également à travers la plateforme de Mixer. Et invitez maintenant vos amis et dites-leur que tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Père, nous te disons merci ce matin, merci Jéhovah pour cette grâce, merci Père pour la grâce de nous retrouver encore une fois ensemble ce matin. Reçois tous les honneurs car tu en es digne, Seigneur. Alléluia. Hallelujah.
want to say how much we love you. We want to say we love you. We love you. We love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Oh, Lord, I love. Lord, I love you. Lord, I love. Jesus. Lord, I love you. Lord, I love you. Lord, I love. Lord, I love you. Dieu est réel. Dieu est plus réel que vous-même. Dieu est plus réel que votre peau, que votre chair. Et bien, il y a un esprit dans l'homme et c'est l'esprit de l'Éternel qui lui donne la compréhension. Alors dites, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Rappelez-vous que notre thème, c'est toujours Dieu est capable. Donc, nous allons prier selon Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Alors, si vous connaissez ces choses, alors heureux êtes-vous si vous les mettez en pratique. Si vous connaissez ces choses, eh bien, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. Donc, Jésus-Christ parlait une fois, il a dit que quiconque qui entend, d'accord, la parole de l'Éternel et les met en pratique, eh bien, il y a une grâce, d'accord, qui en découle quand vous mettez en pratique la parole que vous entendez. Matthieu 7, 24. Alors, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, eh bien, il sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et vous savez, il est dit dans Jacques 1, 22, eh bien, en vous trompant, eh bien, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Alors donc, on va, Seigneur, je reçois la grâce de savoir et de faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et de faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et de faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et mettre en pratique les choses de l'Esprit. Write that down on your page, write it everywhere. Write it, go to the comments box, go to your WhatsApp, your YouTube, your Facebook, your on X, write it. Lord, I Seigneur, je reçois la grâce de faire, de connaître et de faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'Esprit. Répétez après moi, Seigneur, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'Esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître.
préfère les choses de l'esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître faire les choses de l'esprit. Seigneur, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce de connaître et faire les choses de l'esprit. Je reçois la grâce de mettre en pratique la parole. Je reçois la grâce de mettre en pratique les enseignements. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je reçois la grâce, Seigneur. Dara 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 d
Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Je déclare sur vous, en agrément avec la parole de Dieu, la grâce de connaître et faire les choses de l'Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que vous commencez à jouir la passion des cœurs de Dieu. Je commande que votre âme commence à languir après sa volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois quelqu'un allongé sur un lit d'hôpital et il y a beaucoup de câbles qui lui sont connectés. Mais voici l'amour de Dieu qui va s'exprimer sur vous, qui va s'exprimer pour vous, car l'amour de Dieu vous guérit maintenant. Jésus vous touche maintenant. Et dans les heures à venir, on va vous enlever tous ces câbles. Donc, vous savez que Jésus-Christ, en fait, est puissant pour sauver et l'on appelle le grand physicien. Amen. Et donc, il va vous toucher maintenant, vous serez complètement guéri dans le nom de Jésus-Christ. Alors, bonjour, papa, je suis évangéliste Samuel Victor, je suis SOP, fils du prophète de l'État de Kogi. Il y a quelques nuits, j'étais seul avec ma femme dans la chambre. J'étais tellement fatigué de prier que je n'ai pas pu prier, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu le bracelet d'Omega Fire Ministry apparaître, d'accord, sur ma jambe droite. Je reprends. Je suis l'évangéliste Samuel Victor, SOP de l'État de Kogi. Il y a quelques nuits, j'étais seul avec ma femme dans la chambre. J'étais tellement fatigué de prier que je me suis endormi. Au réveil, le matin, j'ai vu le bracelet Omega Fire Ministry sur lequel il est écrit « Je suis un enfant d'Omega, mon sang est intouchable ». Alors, le bracelet est apparu sur ma jambe droite et j'ai demandé à ma femme si c'était elle qui l'avait mis. Elle a dit non. Donc, ce bracelet est apparu juste sur ma jambe droite et la façon dont c'est venu, c'est toujours un mystère pour moi. Je reprends encore ce témoignage. Bonjour, papa, je suis l'évangéliste Samuel Victor, SOP de l'État de Kogi. Il y a quelques nuits, j'étais seul avec ma femme dans la chambre. J'étais fatigué de prier, je me suis endormi. Je me réveille le matin et je vois le bracelet d'Omega Fire Ministry sur lequel c'est écrit « Je suis enfant d'Omega, mon sang est amer ». Le bracelet est apparu sur ma jambe droite. J'ai demandé à ma femme si c'est elle qui l'avait posé. Elle a dit non. Donc, comment ce bracelet est apparu sur ma jambe droite demeure un mystère pour moi jusqu'à aujourd'hui. Je remercie Dieu pour ma vie et je ne regrette en aucun cas de m'être converti de l'islam au christianisme. Merci Jésus. L'heure a sonné. Donc, voici la photo preuve, d'accord, de l'homme qui est en train de témoigner. Voici le bracelet qui est apparu à son poignet, à sa jambe, au poignet de sa jambe droite. Mystérieusement, il n'a pas su comment c'est arrivé. Ce n'est pas sa femme qui l'a posé là. Alléluia. Let me tell you what's happening. When your heart, that's what I'm wearing in my hand. C'est le même bracelet là qui est au poignet d'accord de l'homme de Dieu. We wear it for identification purpose. You know, some people tell you why do you wear things like that. I mean, we wear for identification. Donc, nous portons ces bracelets en fait pour une question d'identification. Vous savez ce qui s'est passé avec ce monsieur? Parfois, quand vous êtes tellement passionné, d'accord, de Dieu, et que vous aimez passionnément et sincèrement Dieu, eh bien, vous allez voir des choses qui se produisent dans votre vie. Et parfois même, vous aurez peur, d'accord, de ces choses qui arrivent dans votre vie. Parce que nous sommes à une génération où, malheureusement, les gens peuvent même douter, d'accord,
et discuter des cœurs longtemps de la parole de Dieu qui est écrite. Et donc, dans la parole de Dieu, dans la Bible, d'accord, c'est ce qui est lié à la parole qui est écrite. Mais ce qui nous concerne ici, d'accord, c'est que, eh bien, c'est quand nous devenons vraiment passionnés de façon intentionnelle, d'accord, avec Dieu. Parce qu'en réalité, la relation que chacun a avec Dieu est personnelle. Ce n'est pas une question de religion. Et donc, quand vous lisez la parole de Dieu avec seulement votre tête, eh bien, vous n'allez pas garder parce que vous n'allez pas comprendre. Mais quand vous allez lire la parole avec l'esprit, avec votre esprit, eh bien, vous allez voir les révélations, d'accord, la passion et la vie qui se trouve dans la parole qui va se manifester dans votre vie. Et le truc, c'est que quand vous aimez sincèrement, d'accord, de tout votre cœur l'Éternel, eh bien, vous allez voir, d'accord, des témoignages, des signes, des merveilles qui vont se produire dans votre vie que vous n'allez pas pouvoir expliquer. Donc, je prie que vous receviez cette même grâce et que vous commenciez également à expérimenter, d'accord, ces genres de manifestations au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Frère Albert Meng de l'Allemagne. Le dimanche 30 juin 2024, je me suis levé avec de fortes douleurs au bas du dos et à la taille. Mais lorsque j'ai oint la zone avec l'huile que papa a béni, les douleurs ont cessé quelques heures plus tard. Je tiens également à remercier Dieu de m'avoir accordé le succès dans mon entreprise, dans mon programme académique de première année avec de bonnes notes. Merci Jésus. Je déclare que vous recevez la réussite, d'accord, dans tous vos examens divers, dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour papa, j'avais l'habitude de lutter dans ma chambre avec le Seigneur. Depuis que je me suis connecté à cette plateforme, je suis passé d'un niveau de soif à un autre pour Dieu. Plus je prie, plus j'ai envie de prier. J'ai également observé que je n'ai plus besoin de bourrer les Écritures. Mon esprit se contente de piéger et de retenir les Écritures et de les fournir en cas de besoin. Amen. Merci Jésus, pasteur Benjamin Jacob. Nous remercions l'Éternel pour ce témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Igor Félix. Je remercie Dieu pour son intervention dans ma vie. Je appelle la ligne de prière Merveille sans nombre. Un représentant a prié avec moi et Dieu m'est venu en aide. Il a utilisé mon pasteur, certains de mes dirigeants et un ami de ma famille pour me bénir avec de l'argent pour payer mon loyer. Merci Jésus, Félix de Paracourt. Merci Jésus pour ces miracles. Alors nous allons prier, nous allons dire Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi une percée financière. Répétez mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie. Donne-moi une percée financière. Ouvrez votre bouche maintenant et priez dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est la prière que le Seigneur m'a inspirée à l'instant même. Mon Père, pendant que je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, donne-moi une percée financière. Donne-moi une financière, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Donne-moi une percée financière. Une percée financière. Dans le nom de Jésus-Christ. À travers mes affaires. À travers mes relations. Donne-moi une percée financière. Une percée financière, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un peu plus de temps.
Nom de Jésus-Christ, je déclare que le ciel s'ouvre concernant vos finances dans le nom de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui. Amen. Pour 69 personnes, le Seigneur est en train d'annuler les dettes. Amen. Et de l'argent miracle surgit également. De l'argent miracle surgit également. L'intervention de Dieu également, d'accord, va venir à vous dans vos finances dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, papa, j'écris pour remercier Dieu de ce qu'il a fait pour moi au mois de mai 2024. J'ai envoyé une demande de prière à mes veilles sans nombre pour que Dieu intervienne dans le paiement de mes frais et pour la réussite de mon examen professionnel final. Je remercie Dieu aujourd'hui pour les provisions et le succès dont mes résultats. Merci Jésus. Mon heure a sonné, Dominique de l'État de Rivers. Je déclare des témoignages académiques pour tous ceux qui croient en Dieu pour réussir dans leurs études, pour réussir dans leurs différentes compositions. Que le Seigneur qui donne la connaissance, la compréhension et la sagesse qu'il se manifeste pour vous. Peut-être que vos enfants, d'accord, sont un peu arriérés ou ont des difficultés dans leurs études. Que le Seigneur vienne à votre secours. Peut-être que vous passez les examens à plusieurs reprises. Que Dieu se manifeste et vienne à votre secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, papa. Depuis que j'ai rejoint mes veilles sans nombre en juin 2024, ma vie de prière s'est améliorée et j'aime davantage Dieu. Je rends grâce à Dieu pour avoir guéri mon jeune frère d'une forte fièvre après avoir appliqué l'huile que papa a bénie. Merci Jésus. Divine Oseiwe Owobu de l'État de Uromi. Amen. Bonjour papa, je remercie Dieu d'avoir guéri ma belle-sœur qui était malade et a été admise à l'hôpital au mois de mai 2024. La maladie était si grave que nous avons presque abandonné. Mais papa a mentionné son nom le 30 mai, Ngozi Orji, et a prié pour elle. Le lendemain, elle était sortie de l'hôpital. Merci Jésus. Blessing John de l'Italie. Alléluia. Je vois Ngozi Orji. Voici la vidéo preuve. La main de Dieu vous apporte le repos. Et la main de Dieu, d'accord, enlève de votre vie la malédiction familiale. Et la raison pour laquelle Dieu vient, d'accord, pour passer par vous, c'est parce que Dieu veut élever toute votre famille. Que cela soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Ésaïe 9, 8, le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle tombe et illumine tout Israël. On va prier, on va dire, Seigneur, que ta lumière brille sur ma famille. Seigneur, que ta famille luise sur ma famille, que ce soit vos enfants, vos bien-aimés, vos frères et sœurs, votre femme, votre mari. Seigneur, que ta vie, que ta lumière luise sur ma famille. Que ta lumière luise sur ma famille. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, que ta lumière luise sur ma famille. Ouvrez votre bouche maintenant et priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière luise sur ma famille. Que ta lumière brille sur ma famille. Que ta lumière luise sur ma famille. Que ta lumière brille sur ma famille, Seigneur. Que ta lumière jaillisse sur ma famille. Dans tous les départements, dans tous les coins cachés, dans tous les coins sombres de ma famille. Que ta lumière luise. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te remercions. Connectez votre foi à la mienne.
partout où vous m'entendez maintenant, connectez votre foi à la mienne. La grâce pour marcher avec Dieu, pour connaître et pour faire les choses de l'Esprit, recevez cette grâce maintenant. Recevez la percée financière maintenant. Et je déclare les projets et les pensées de Dieu sur votre vie. Commencez à marcher dans les dimensions surnaturelles. Je vois quelqu'un, vous avez une famille, votre nom c'est Benjamin et la santé de votre troisième enfant vous inquiète beaucoup. Mais la main de Dieu repose sur cet enfant maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois une jeune femme qui a fui son foyer avec son enfant. Vous avez fui parce que vous vous êtes rendu compte que votre mari, l'homme à qui vous êtes marié, en fait, appartient à un groupe secret occulte. Donc, vous avez fui de la maison, d'accord, avec votre enfant, avec vos enfants. Mais maintenant, je déclare que vous soyez couverts, complètement protégés, vous et vos enfants, parce qu'en réalité, il y avait déjà un plan de l'enfer, d'accord, contre vous et vos enfants. Donc, mais vous êtes protégés maintenant de leurs attaques dans le nom de Jésus-Christ. Je vois également, d'accord, une répétition de fausses couches qui prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Je vois un pasteur qui a été chassé, d'accord, de son appartement ou de l'appartement de l'église. Donc, en fait, le pasteur a été chassé, d'accord, des lieux de son église parce qu'en réalité, son loyer n'est pas épuisé, n'a pas expiré, mais c'est parce qu'il y avait eu un complot d'une autre église qui veut prendre la place. Vous avez été renvoyé. Mais le Seigneur vient à votre secours maintenant et va vous restaurer, vous rendra les choses meilleures dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une jeune femme qui nous suit depuis Lagos, que vous pleurez et vous demandez du secours à l'Éternel à cause de ce que vous traversez. Maintenant, je déclare que le secours vienne à vous dans le nom puissant de Jésus-Christ dans les 72 heures à venir. Je vois également que le Seigneur est en train de déchirer, de détruire cet esprit de retard dans le mariage, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes malade, posez votre main gauche là où vous avez mal et étendez la main droite vers l'écran. Soyez complètement guéri, je déclare. Soyez complètement affranchi et délivré dans le nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui a généralement mal à la tête et vous n'arrivez même plus à vous tresser. Je déclare maintenant que vous soyez guéri et délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le moment des offrandes maintenant, chers téléspectateurs. Préparez vos offrandes.
Père, nous te remercions. Father, we thank you. Seigneur, bénis ton peuple pendant qu'ils expriment à toi ton amour à travers leurs offrandes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je tiens à remercier le Dieu de merveilles sans nombre de m'avoir fourni de l'argent miracle. Je devais voyager pour le mariage de mon cousin, mais je n'avais pas un sou. J'ai demandé alors à Dieu de la demande de prière personnelle que quelqu'un m'a envoyé $100 le même jour. Deuxièmement, je n'ai pas payé le transport pour y retourner car j'avais un trajet gratuit avec climatisation complète et toute la banquette arrière était réservée juste pour moi. Merci Jésus. Alors continue Seigneur, continue toujours à remercier l'Éternel pour tout ce qu'il fait car rien n'est petit. Alléluia. Bonjour papa, je tiens à remercier Dieu d'avoir délivré mon fils de selles fréquentes et de ne pas avoir permis à mon fils d'être envoyé à la province pour son stage. Merci Jésus. Fatmata Mouraï de Freetown en Sierra Leone. Merci Jésus. Père, nous te retenons toute la gloire pour ce témoignage. Bonjour papa, mon ordinateur portable que j'utilise pour travailler, regardez Wanda Stanomba vient de cesser de fonctionner soudainement et cela m'aurait coûté jusqu'à $50 pour le réparer. J'ai fait une courte prière et je l'ai oint avec l'huile que papa a béni et gloire à Dieu, l'ordinateur fonctionne parfaitement maintenant. Merci Jésus. Bernard Njati du Kenya. Seigneur, reçois toute la gloire pour ce témoignage et nous en recevons les bénédictions. Alors, présentez maintenant vos requêtes personnelles à l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions d'avoir exaucé nos prières et nos requêtes dans le nom de Jésus-Christ. Recevez l'argent miracle, une augmentation de salaire, recevez un meilleur emploi, recevez vos passeports, recevez vos permis de résidence permanente, vos permis de travail, etc. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, prenez note d'accord des différents numéros affichés à l'écran selon d'où vous nous suivez. Appelez le centre d'appel Merveille sans nombre, une équipe s'occupera de vous et quelqu'un priera avec vous au besoin. Alors, je rappelle rapidement que du 28 au 30 octobre 2024, eh bien, ce sera la croisade internationale à Houston. Et ce sera une croisade spéciale, d'accord, pour les malades. Si vous souffrez d'affection, peu importe ce dont vous souffrez, vous avez des rapports médicaux ou alors vous avez des gens qui souffrent, des gens qui sont malades, qui ont des rapports médicaux qui vous inquiètent. Eh bien, vous allez d'accord vous préparer pour vous rendre à cette croisade. Et donc, il y aura également un numéro, d'accord, et il y aura également un lien qui sera pourvu pour que vous puissiez faire votre enregistrement à l'avance. Donc, ces informations seront disponibles bientôt, d'accord, sur toutes nos plateformes. Et vous allez pouvoir vous enregistrer, d'accord, pour préparer votre place, pour prendre votre place en avance pour cette croisade. Eh bien, je serai avec l'homme de Dieu, d'accord, un homme de Dieu puissant, le pasteur Benny Hinn, à cette croisade. Alors que vous viviez au Texas et à Dallas et aux environs, eh bien, préparez-vous et portez la nouvelle aussi loin que vous pouvez. Alors, si vous êtes également intéressé, d'accord, à soutenir cette croisade, vous pouvez également le faire. Il suffit simplement, d'accord, d'utiliser les comptes bancaires affichés à l'écran pour envoyer vos participations, vos soutiens différents et que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je vous retrouve demain et n'oubliez pas, tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que quelqu'un dise mon heure a sonné et Dieu vous bénisse. My time has come. Life!